Salut YouTube, salut Facebook, aujourd'hui je vous propose une vidéo FAQ, foire aux questions, pour parler un peu de moi, de mes projets, et puis voilà. Première chose, vous l'avez peut-être constaté, enfin j'espère, mes dernières vidéos ont été publiées sur YouTube et non sur Facebook. C'est un choix de ma part, hein. Ça va pas être un choix du voisin. J'ai décidé de publier mes vidéos sur YouTube à partir de maintenant. J'ai plusieurs projets vidéo à venir cette année ou l'année prochaine. Et je trouve que YouTube est une plateforme plus adaptée pour ces projets-là. Donc effectivement, voilà. Donc voilà, je passe sur YouTube. Alors maintenant, on va passer aux questions aux réponses. Alors Jen, tu aimes les polars et les thrillers? Alors oui, on va dire que j'aime bien les polars bien ficelés, hein, d'autant plus si l'héroïne se balade en string. Hein. Ça va, je déconne. Bon, non, après les thrillers, c'est pas forcément mon truc. Moi, je préfère les romans noirs avec une ambiance plutôt que du cliffhanger, des rebondissements à gogo et puis des twists dans tous les sens. Hein. Franchement, je préfère les romans d'ambiance. Voilà. Caroline, d'où et de qui te vient cette préférence pour le polar? Alors j'ai commencé à lire du polar quand j'avais une vingtaine d'années et donc j'ai lu hein, ce qu'il y avait dans la bibliothèque de ma maman, alors du Mary Gwynne Clark, du Patricia McDonald, du Stephen King, voilà. Charlène, combien es-tu dans ta tête? De plus en plus, et c'est un peu trop, ça commence à me coûter un pognon de dingue en chauffage et en douche. Cyril, comment s'appellent tes différents toits? La blonde surtout. La blonde c'est Daenerys de Game of Thrones, parce que c'est la perruque de Daenerys, hein. Je l'ai vu avec un déguisement de Game of Thrones. L'autre avec la chemise hawaïenne, bah, il s'appelle Magnum. Et les autres, ils ont pas de nom. J'ai juste à les appeler. Hey, toi, tu raboules par ici pour faire un rôle. Le problème, c'est qu'ils apprennent jamais leur texte. Ça, c'est trop chiant. Lily, pourquoi tu as un personnage en chemise hawaïenne? Il représente qui? Alors, Lily, tu es trop jeune. Hein. Tu dois avoir quoi? 25, 30 ans? Il faut au moins avoir 42 ans pour connaître Tom Magnum. Anaïs, pourquoi tu fais autant de coupes dans tes vidéos? De quoi tu parles? Quelle coupe? J'ai fait jamais de coupe. Quand est-ce que tu prends des cours de théâtre? Il en prend, c'est ça qui est triste. Connard. Pourquoi tu gigotes autant dans tes vidéos? Parce que j'ai souvent envie de pisser. Toute la bière que je bois. Steven, à part Damien et Léonori, est-ce que tu as déjà eu un voisin de salon que tu ne pouvais pas piffrer? Bonne question. J'ai déjà eu des voisins de salon que j'aimais bien, mais maintenant que je ne peux plus piffrer, quoi. Alors Barbara, pourquoi on ne voit plus le chat et pourquoi tu ne lui as pas encore mis de perruque? Bonne idée. Oh. Ça va? Oh. Isabelle, même si tu n'es pas là pour vendre, mais juste pour faire le zozo, ah non, c'est pas mon genre, est-ce que l'on peut quand même t'acheter un livre? Si je suis derrière ma table, oui. Est-ce qu'il t'arrive de faire des et si oui, les coupes-tu au montage? Alors, je ne fais aucune coupe. Ah, quel est le livre qui t'a le plus marqué et adoré, auteur préféré? Voilà enfin une vraie question. La route de Cormac McCarthy. Puis auteur préféré, je dirais Lawrence Block, Harry Cruz, Bukowski, Connelly, Michael Connelly si on parle de pur roman policier, Chuck Palahniuk ou Stephen King. Ouais. D'où est venue l'idée de créer des concepts de vidéos? C'est Isabelle, l'antre du bonheur, qui pose la question. Eh bah j'en sais rien. J'ai toujours aimé la vidéo, donc je me suis dit, allez hop, c'est parti mon kiki. En route, mauvaise troupe, attache ta ceinture, c'est moi qui pilote, enfin je sais plus quoi. C'est parti. Noël Boudou, pourquoi? Je sais même pas quoi dire. Steven, encore lui, il en pense quoi, Nico? Jessica, est-ce que tu parles des livres que tu n'as pas aimés? Sinon, pourquoi? Alors, j'en parle pas. Je pourrais en parler, ça m'est déjà arrivé d'en parler un peu, des livres que j'ai moins bien aimés, ou alors le dernier Elroy que j'ai pas du tout aimé. Mais pourquoi j'en parle pas? C'est très simple. Une vidéo, c'est environ 6 à 7 heures de boulot. Je préfère mettre mon énergie et mon enthousiasme pour parler d'un livre que j'aime. Voilà, bon maintenant on va faire le tirage au sort. Le tirage au sort du livre, je sais plus qui a gagné, Matière Noire de... On y va, allez, alors. Quoi? On fait le tirage au sort? Oui. On fait le tirage au sort? J'ai les noms là-dedans. Oui. Donc tu pioches un nom, vas-y. Vas-y, vas-y. Et j'ai des balles? Tu déballes. Un code Wi-Fi? Wi-Fi. Wi-Fi El Perro. Wi-Fi El Perro a gagné, bah c'est le gagnant, c'est qui? Bravo Wi-Fi El Perro. Tiens, montre-nous ce qu'il a gagné. Il a gagné un livre Matière Noire de Yvon truc. Parfait. Bravo. Merci Nathan. De rien. Moi? Bah non. De rien. Allez. Ciao ciao.